Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live au Sniper, et cette fois-ci au Ordinatoire. La dernière fois j'ai fait un live au Springfield, et cette fois-ci je me suis dit, allez, profitant de cette bonne petite soirée où il y a des bonnes connexions, où les ennemis sont pas trop casse-couilles, ou du moins pas de hackers, je vais faire un petit live au Moisin à Gante. Voilà, allez hop, c'est parti. Alors, un petit peu ce que ça donne ce Sniper, en espérant de faire un petit carnage, bien évidemment, c'est tout le but, hein. Mais c'est vrai que c'est un sniper assez spécial. La manière dont il vise, c'est des fois, vous allez voir, le viseur est un petit peu chelou. Mais ça a son style. Oula. Je me suis fait tuer par derrière. Pas terrible, hein. Alors, le seul problème, un des seuls problèmes, un des peu de problèmes qu'il y a sur World at War, ce sont les putains de bâtards de chars. Les chars. Je sais pas qui c'est quoi le plus chiant, les chars ou les gens qui l'utilisent. D'accord. Petit barreau d'honneur. C'est pas grave, c'est pas grave. J'avais fait une petite partie juste avant avec le Moisin pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai dit, putain, c'est quand même sympa ce snipe. Hein. Voilà. Le char, c'est vraiment un truc qu'ils auraient dû enlever, patcher, je sais pas. Ils auraient dû faire quelque chose pour ce putain de char. C'est vrai que c'est casse-couille, mais bon, malheureusement, alors lui, il a pris un char en feu, il a tout compris. Lui, il va m'attendre, voilà. Tiens. Eh gamin, voilà, je vais te rendre fou, tiens, hop, une petite fumigène. Comme ça, il va pas voir ce qui se passe dans le coin. Wouhou. Voilà, il s'est fait péter. Tant mieux. Alors, où sont-ils maintenant? Ouais, la manière de viser, il va dire, peu... usuel par rapport au... Oula. Par rapport au sniper de World at War. Mais il y a quand même un style. Il y a un truc stylé là-dedans. Allez, viens là. Voilà. Eh merde. Bon, c'est pas grave. Je te lance mes chiens. Ah bah oui, vas-y, tiens. Allez, les chiens, allez le défoncer. Allez le défoncer. Arrête. Hein. S'il te plaît, hein. sois pas comme ça. Alors il y a un truc, c'est vrai qui nous avait vraiment déçu sur quand il était sorti World at War, je me souviens, l'absence de camouflage. C'est vrai que sur Call of Duty 4, qui est le premier Call of Duty sur lequel on a eu des classes personnalisables, qui était quand même une révolution, ça on peut pas dire le contraire. Et on a eu les camouflages, on a même eu les armes en or. Bon, pas toutes, hein, c'était simplement quand t'avais, un peu à l'instar de Black Ops 2, où quand t'as toutes les armes en or, t'as toutes les armes en diamant. Là, il fallait avoir toutes les armes en camouflage rouge pour avoir le camouflage or. Excusez-moi, hein, je me suis un petit peu concentré. Et là, tu avais toutes les armes de la même catégorie camouflage rouge, c'était le camouflage ultime. Il fallait faire 150 headshots pour l'avoir. Et tu avais une arme de la catégorie en or. Donc la K-47 pour les fusils d'assaut, le mini-Uzi pour les pistolets mitrailleurs, le Dragunov, malheureusement, pour les snipers. Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir le M40A3 en or, mon pote. Oh là 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 là, pop pop pop, ça aurait été beau. Hein. Ça aurait été beau. Hein. Putain, comment je suis en train de kiffer sur World at War là. Comme j'ai pas kiffé depuis longtemps. Hein. Je peux vous dire que dans ces cas-là, t'en profites. Hein. Bah. Bah. Wouhou. Ouais, bah oui. R2. Ah, oh, putain. Qu'est-ce que tu veux, hein. Quand on a une grosse merde, on a une grosse merde. Hein. Ah, elle tient le trench gun. Boum, là. Ça, c'était un fusil à pompe qui avait du style aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais je préfère l'autre, le double canon. Très difficile à utiliser dans le sens où t'as que deux balles. Un peu comme le Olympia sur Black Ops. Mais qu'est-ce qu'il est kiffant. Alors, toi, j'étais mort. Regarde. Hop là. Ouya. Même pas. Je sais pas pourquoi, mais moi j'aimais pas du tout le Olympia par contre dans Black Ops. Je sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou si vous arrivez bien à vous à le gérer, mais en tout cas pour ma part,
j'arrive pas. Mais le double canon sur l'ondatoire, si, par contre, ça, c'est un petit kiff. Alors, ah bon. Ah, d'accord. Okay. Bon. De toute façon, j'avais pas envie de le tuer, donc ça tombe bien. Ouais, bah oui. Je l'ai laissé pour mon pote, je trouvais qu'il avait plus besoin que moi. Oh là là. La boucherie. Ils sont où là? J'ai tiré à côté, mais quel putain de nœud volant. Ah putain, attends. Oh, arrête! Je crois que ça marche pas. On peut pas faire ce wallbang, je crois. Voilà, attends, au début, j'arrive à faire des bons enchaînements. Tout va bien, et là, y a plus rien qui passe. Tu te moques de moi ou quoi? Oh, c'est lamentable! Je crois que j'ai pas fait un kill au snipe depuis un moment, voilà. Ah, je t'ai vu toi. Oh putain. T'es pas sérieux? Voilà. Et franchement, je me suis tapé beaucoup moins d'hitmarker avec le moisin à gants que j'avais fait sur le Springfield. Hein. Déjà, ça c'est quand même une bonne nouvelle, niveau puissance. Et un peu supérieur. Hein. Bon, faut bien ça. Allez, ils sont où là? Arrête! Ah bah voilà. Allez hop. Vous êtes où les amis? Je vais te suivre. Ah, bordel. Enculé. C'était le mien. C'était à moi. Voleur. Voleur. Sacripant. Oh voilà, donc petite partie, première petite partie au moisin à gants avec un petit creux. Quoi, hein. Au début c'était bien, il y avait du rythme, etc. Après il y avait un petit creux. Je comprends pas des fois, et ça m'a fait la même chose pour le Springfield. Des fois, je vais arriver à enchaîner les ennemis franchement propres, et il y a des fois pas du tout. Allez du coup, c'est parti sur Hangar, parce que l'autre partie que j'avais lancée c'était une partie hackée. Donc bon, ça arrive hein, malheureusement. Mais bon, j'ai retrouvé une bonne partie, heureusement. Ça voilà, ça fait plaisir. Donc c'est parti sur Hangar, en match à mort. Bah match à mort, c'est vraiment le seul mode de jeu où tu trouves des gens, où tu peux avoir une bonne co. Tu vas en guerre, faut vraiment que t'organises un snipe lobby ou que t'organises un lobby. Parce que sinon tu trouves personne, c'est mort. C'est un peu le problème, mais bon. Eh, c'est pas grave, c'est parti. Deuxième partie au Moisana Gaunt, tous sur Hangar. Casse-toi, toi. Pourquoi tu me regardes? Me regarde pas, baisse les yeux quand tu me vois. Alors bah des fois il y a des gens qui arrivent là, mais ça c'était des fois, c'était avant. Oula. J'ai décidé d'aller là. Ah merde. Wouhou. Encore un hitmarker, super. Ah tiens, ça arrive par là. Alors on peut faire avec ces armes là, on peut faire le cancel reload. Hein. C'est juste que c'est quand même assez chaud à manier. Le viseur il bouge tellement que finalement tu vois pas grand chose. Allez. Il y a 2-3 mecs là. Je sais pas de quel côté il est parti. Ah, oh bien. Putain. Bien vu l'artiste. Là, on est du monde. Va falloir pas se faire défoncer. Ah dommage, dommage. Ah bah ouais, bah, c'est vachement cool ça. Je réapparais, je monte là, hop, t'es mort. Oh, merde, merde, merde. Oh putain. Ah là là.
Ah mais bon, il a un peu campé au fond là. Oh là, mais c'est pas vrai, mais je réapparais devant lui, mec. Exagère pas non plus. Allez, hop, c'est bon ça. Oh merde. Ouais, ouh. Bon, bah, je suis du pôle là-dessus. Je me serais jamais entendu faire ça, moi. Bah, c'est pas grave, allez, on continue du coup. Sur notre lancée. Non, 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 non. Me tue pas, me tue pas. Me tue pas. Ce qui est bien quand même dans ces jeux là, c'est qu'il n'y a pas de viseur, détecteur de cible, thermique, mes couilles. C'est tout du pur quoi. Allez. Je l'ai lancé sur moi. Pas forcément le meilleur choix. Allez. Je sais pas vraiment où la lancer de façon sur le coup là. Le bombardement. Allez, j'ai mes chiens. Ils vont être. Oula. Où est-ce qu'ils vont? Ils réapparaissent de ce côté-là ou quoi? Allez, allez. Il n'y en a pas d'autre? Ou peut-être que ça va apparaître de l'autre côté alors. Non. Je sais pas. Souvent ça. Droite, gauche. Oh mec! Ah, c'est pas juste! Je pense que ça va être là. Waouh! Non, attends, tu rigoles. Putain, il a eu. Blink! Putain, il me dit quelque chose. Petit enfoiré, je crois. Ouh! Hé hé, gamin! Viens là. Merde. Oh, il y avait du monde là, il y avait plus que ça. Hein. Allez. Putain. Ah, c'est sale, c'est sale, il y avait du monde. Allez, allez, go, 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 on va passer par ce côté-là. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Moi je lance pas mes chiens. Vu qu'on gagne largement, je vois pas l'intérêt. Autant se faire plaisir à jouer avec son arme. Je l'aime bien les débloquer comme ça. Je dis bon, j'ai débloqué les chiens. Et au cas où. Mais bon, les lancer, c'est pas très intéressant parce que voilà, tu niques la partie. C'est déjà difficile de trouver des bonnes parties, donc s'amuser à lancer le bombardement et les chiens, c'est simplement pourrir le peu de bonnes parties que t'arrives à trouver. Donc je trouve ça complètement débile. C'est pour ça que je le garde au cas où, si jamais les ennemis en face lancent leurs chiens ou quoi, histoire de, ou si on est presque à gagner, voilà, histoire de jouer un petit peu dans la balance, d'avoir une petite arme en réserve, mais sinon, franchement, je la joue pas, je la lance pas parce que ouais, c'est un peu pourraf. J'aime pas Making vraiment trop, je préfère Making Day, mais j'hésite à voter. Si après on tombe sur une map du map pack, on va être comme des cons. Donc, bah, de toute façon, je pense qu'on est tous pareils en se disant, bon, faut mieux assurer la sécurité,
Peut-être que c'est pas la meilleure map, mais au moins on peut la jouer. Kick. Casse-toi, bâtard. Non, bon, je vais pas voter. Hein. Et pourtant, j'ai envie, putain. Je me dis, ah, si jamais il y avait une petite map genre crise ou quoi, ça serait quand même pas mal. Mon chien qui s'énerve. Vote! 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 Je sais pas si ça entend, mais il y a des feux d'artifice. Attention, ça fête dans le coin. Allez, c'est parti. The match is about to begin. Avec le Moisanagan, voilà, donc c'est le sniper, enfin le fusil à verrou que j'avais testé, que j'ai eu la chance de tester à Los Angeles, Los Angeles Gun Club, et j'avais fait une petite vidéo à l'occasion, donc si vous intéresse de me voir tirer avec le sniper à la mire, je dis sniper, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce n'est pas un sniper, c'est un fusil à je sais plus quoi, bref, on sent pas les couilles mec, ça va Wikipédia hein. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'appeler les choses par leur vrai terme, mais bon, dans le fond, on s'en fout un peu. Hein. Dans Call of, on a toujours dit que c'était un sniper. Tu peux pas me changer mon rêve comme ça. Tu peux pas me faire croire que j'ai joué au sniper et après me dire que non. Tu vois ce que je veux dire? We take in the lead. Je sais pas s'ils ont... Où est-ce qu'ils sont partis, hein? Ah ouais, d'accord, ils sont allés sournoisement dans l'eau. Voilà. Je les vois pas. Ah, ils sont là-dedans. Oh merde, je l'ai pas vu du tout, hein. Oh bah c'est ce problème, c'est ça making. Là des fois il y a des mecs, tu vois rien. Voilà. Faut bien regarder quand même. Ouh là tiens, si ça va respawn là, ça va être beau ça. Allez viens là. Mais je vais tirer en plein dessus mon pote. Pff, oh c'est pas juste. Putain, mais sérieusement quoi, putain! Enfin, je vais essayer avec la mire, voir ce que ça donne, parce que là, c'est pas normal. Voilà, déjà, c'est un peu mieux sur le coup. Wouhou! Il est où? Il est où, petit Billy? Allez, je lance mon artillerie. Oh, ils sont... oh merde! Je voulais débloquer mes chiens du coup. Bah, malheureusement, je les ai pas. Ah, avec la mire, ça va quand même mieux. Hein. Putain, qu'est-ce que je kiffe les mires sur rollatoire. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, bah, du coup, mon bombardement sert pas à grand chose. Tant pis. C'est marrant parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même du monde dans le coin. Oh là là. Mais j'ai lancé mon bombardement juste là, comment ça se fait que je l'ai pas eu le mec? Je le vois pas hein. Je sais pas s'il est il est là-dedans. Ah oui il est là-dedans. C'est moi qui l'ai vu. Petite vengeance, mon pote. Je vois personne. Hein. Voilà. Merde, 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 merde. Voilà. Wouhou. Merde. Tant pis. Ah ça c'est l'ennemi qui lance une artillerie, bah putain. Il s'est enfin déverrouillé, hein.
Allez hop. Oh, Air Jordan. Mec, il attendait patiemment. Je m'en fous combien de temps j'attends, je ferai mon kill. Tiens Air Jordan. Bouffe la tête. Non, putain. Oh, il me saoule mon chien des fois un peu à gueuler comme un porc là. Ah, il y a une mouche qui passe devant la maison, le mec il devient malade mental. Voilà, je crois que ma petite femme a gueulé, a mis les poings sur la table en disant oh, tu te calmes là. C'est fini ce bordel. Ah les mastodontes, hein, qu'est-ce que ça pète les couilles ça hein. Ça c'est vraiment un atout de merde, hein. Je déteste ça. J'y ai cru du coup. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Je l'ai fait. Ah merde, bah oui, forcément je vois rien. Putain, y'a moyen, ils sont tous là-dedans en plus. Pas grand chose mais ça peut le faire. Ouais, petite grenade pour exploser ta Betty. Ah putain, oh, fais chier, c'est pas possible. Essayer de faire le tour. Allez, go, go, go. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je t'ai niqué, Air Jordan. Voilà, bon. Il y a pas de quoi être content, forcément. Hein, bon, mais bon, voilà. Allez, c'est tout pour ce petit live sur Mandatoire au Moisanagan. Voilà, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir, ce petit retour, au final, sur Mandatoire. C'est pas forcément exceptionnel, mais franchement, c'est pas comme si on pouvait avoir vraiment le choix en disant « Tiens, je vais choisir telle ou telle map. » Non. Ou... t'as pas vraiment le choix, c'est ça le truc. Donc du coup, le peu que t'as, il faut en profiter, il faut apprécier les peu de choses que tu puisses avoir sur ce jeu là malheureusement c'est un peu limité maintenant, mais bon voilà, ça fait plaisir, en tout cas c'est tout le but. Et ce live touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, et vous le savez, encore une fois, c'est tout le but. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis, enfin tout ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, petit pouce vert, ça fait plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes vacances, enfin, si vous êtes en vacances, vous avez de la chance. Putain, j'y repense quand j'étais au lycée 2-3 mois, putain, ça c'était bon, hein. C'était la bonne époque, profitez-en si vous en êtes, franchement, parce qu'après vous allez voir, quand vous allez bosser, ceux qui bossent pourront vous le dire, c'est pas la même chanson, hein. Franchement, en tout cas, bah, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao, bye bye.